Où était Sébastien quand Anne et toi l'avez trouvé? Confringo! Attends un peu. Je m'inquiétais tellement pour Sébastien que je n'ai pas compris. Anne est allée chercher Solomon. Quand elle a vu les Inferi, elle a pensé que Sébastien était attaqué. Mais il lui a montré la relique et lui a dit qu'il avait appris à s'en servir. Ces gravures sur la relique, c'était des Inferi. Et Sébastien les a créées? Pas exactement. Il les contrôle. C'est de la magie noire puissante. Il est extrêmement difficile de créer des Inferi. Mais pour les contrôler... Quand Anne et moi barricadions les Inferi pour les empêcher de s'enfuir, Sébastien marmonnait qu'il devait soigner Anne. Quand Anne lui a dit qu'elle ne pouvait pas rester là, je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Solomon a menacé d'aller voir le directeur s'il apprenait que Sébastien faisait de la magie noire. Je dois aller à Poudlard. Il faut que je parle au professeur Black avant. J'arrangerai les faits pour qu'il pense qu'il s'agit d'une querelle de famille. Je reviendrai dès que possible. Toi, essaie de raisonner Sébastien. Fais attention. Combien d'Inferi y a-t-il? Confringo! Umbaba! Action! Destruction! Action! Gardien Mediosa! Action! Gardien Mediosa! Voilà Sébastien. N'est-ce pas incroyable? Sébastien... Je te l'avais dit, la relique est la solution. J'essaie de conjurer la magie noire qui a blessé Anne depuis longtemps. Mais ça me permettrait de la contrôler. Tout comme je contrôle les Inferi. Contrôler les Inferi? J'ai dû en affronter plein. Qu'est-ce que vous avez fait tous les deux? Action, relique! La relique! Ça, tu vas me le payer! Protéco! Stupéfix! On te brise! Cette relique! Et du zéro! Confringo! Bingo! Bombarda!
coffre, Ingo. Anne, mais qu'est-ce que tu as fait? Je dois sortir d'ici. Je ne peux pas le laisser partir. Sébastien, attends! Qu'y a-t-il ? Pourquoi tu ne t'es pas arrêté ? Je t'ai appelé. Anne ne survivra pas. Elle dépérit physiquement et mentalement. Solomon n'a jamais été là pour nous. Pas vraiment. Il a renoncé à sauver Anne. Mais pas moi. Tu l'as vu, n'est-ce pas ?
Il allait ruiner sa vie. Il nous a attaqués. J'étais obligé d'utiliser le sortilège de mort. Tu le sais, si je n'avais pas su comment le lancer. Il nous a attaqués. Tu n'avais pas d'autre choix. C'était courageux, Sébastien. Tu te soucies visiblement plus d'Anne que ton oncle. Je savais que tu comprendrais. J'ai fait ce qu'il fallait. Oui. Et j'aurais fait la même chose. Si je savais comment faire. Je pourrais t'apprendre. D'accord, allons-y alors. Le sortilège de mort n'est pas facile. Comme pour tous les sortilèges impardonnables. Il faut le vouloir. Tiens ta baguette fermement. Concentre-toi. L'incantation est Avada Kedavra. Tes intentions doivent être claires. Je ne peux pas rester ici. Je dois trouver Ominis. Sébastien, Je ne suis pas moi-même en ce moment. Retrouvons-nous plus tard, à la crypte, d'accord ? Avada